Renault Group est une entreprise internationale qui fait partie de l'alliance Nissan-Mitsubishi Motors. L'année dernière, nous avons produit 2,7 millions de voitures avec 170 000 collaborateurs à travers le monde. Nous proposons des solutions de mobilité durables et innovantes. Notre ambition est d'atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici à 2040. La Refactory de Flins est la première usine européenne d'économie circulaire dédiée à la mobilité. Le modèle d'économie circulaire vise à prolonger la durée de vie des véhicules. Une rupture d'alimentation électrique est un événement majeur critique qui peut avoir de graves conséquences sur l'activité du site. Le digital est un axe très important qui me permet de piloter les installations à distance, surveiller les moyens de production, prévoir, planifier les interventions, former à distance sur des technologies de pointe. La cybersécurité est intégrée dans notre stratégie globale de choix de solutions techniques proposées par nos fournisseurs. Pour répondre aux enjeux de demain, nous avons choisi Schneider Electric, et plus particulièrement pour traiter l'obsolescence de nos cellules moyenne tension. SMR7 est situé sur la boucle d'alimentation du réseau secours, qui alimente principalement deux bâtiments industriels et du bâtiment tertiaire. SMR7 possède deux atouts majeurs. Une technologie respectueuse de l'environnement qui s'inscrit dans les enjeux de l'économie circulaire du site. Une connectivité qui nous assure la surveillance à distance de nos équipements. La suppression du SF6 simplifie le démantèlement des installations, facilite la manipulation et le recyclage en limitant les coûts. Les capteurs intelligents intégrés nous permettront une surveillance à distance de l'ensemble des paramètres de fonctionnement. En trois mots, SMR7, c'est digitalisation, développement durable, économie circulaire.